Eh bien, il s'agit de la 10e rencontre Parlement algérien et Parlement européen. Plus précisément, les députés et sénateurs algériens ont une série de discussions avec la délégation du Maghreb et de l'Union du Maghreb du Parlement européen. Alors, nous avons inscrit à l'ordre du jour 5 thèmes. La coopération économique avec donc Algérie et Union européenne, la coopération énergétique, nous avons les problèmes au niveau du Sahel, également les droits de l'homme, et puis un thème sur la culture et la protection du patrimoine national. Ce sont des thèmes très, très importants. Donc il y a une discussion entre députés européens et puis des parlementaires algériens sur ces 5 thèmes à peu près. De toutes les façons, nous avons expliqué qu'il fallait une révision de l'accord d'association Union européenne-Algérie. Ça, c'est l'avis des parlementaires algériens. Nous avons également évoqué le problème du Sahara, du Sahara occidental, qui doit être donc pour nous, le principe d'autodétermination est non négociable. Pour le problème sahraoui, ils ont droit à un référendum d'autodétermination. Nous avons également abordé le problème de l'islamophobie qui est en train de se propager dans les pays de l'Union européenne. Et puis, bien sûr, nous avons terminé avec ce que nous désirons le plus au monde, c'est d'avoir la Méditerranée, d'avoir la paix et la sécurité dans la Méditerranée. Mais cela ne pourrait pas se faire sans qu'il y ait la reconnaissance d'un État palestinien dans ses frontières de 67 et avec Jérusalem-Est comme capitale. Donc tous ces problèmes, comme vous l'avez vu, ont été discutés, je veux dire, de façon presque passionnée par tout le monde. Mais c'est la 10e rencontre et les 9 précédentes rencontres ont apporté véritablement un dialogue très fructueux entre les parlementaires européens et nous-mêmes.